Salut YouTube, c'est Coach Yann, ça va ou quoi? Aujourd'hui on filme parce que dans quelques jours c'est les championnats de France de freestyle football et de Pana le 22-23 septembre à la ville de Clichy. Toutes les informations sont dans la description. Donc je t'attends nombreux, surtout le jour de la finale le 23, il y aura grave des surprises, des lots à gagner. On vous a prévu plein de surprises, donc venez nombreux. En plus c'est quoi? C'est gratuit, il y aura de la bouffe, hein, tout ce qu'il faut, tout ce que vous voulez. Maintenant je me suis dit que ça allait être cool de faire une petite vidéo en challengeant des youtubeurs pour savoir qui est le meilleur urban baller. Vous savez pas qui est dans cette vidéo, je sais parce que je suis en miniature, je ne l'ai pas montré. Donc du coup c'est le moment de vous présenter qui va relever le Urban Bowl Challenge. Let's go! Ils sont tout frais, ils sont beaux. Aujourd'hui les gars, c'est très simple. On va voir lequel d'entre vous est le meilleur urban bowler. Mais un urban bowler, c'est pas juste un mec qui fait des techniques. Donc bien sûr, il y a les techniques au pied. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est au calme. Maintenant, il y a les techniques à la main. Et après, il y a le truc en plus, j'ai vu qu'il était chaud lui, c'est la danse. Comme vous avez vu la youtubeur, il y a trois équipes, enfin trois personnes. Il y a une personne qui est toute seule, là, c'est Boumé. Il y a une autre personne qui est toute seule, c'est Paul Cabessa. Et une personne qui n'est pas toute seule, c'est Terre Football. Donc eux, ils sont en groupe, mais en gros, à chaque épreuve, ils passeront l'épreuve un à un. Ils choisiront le meilleur représentant du style qu'on va demander. Donc la première épreuve, elle est très simple, les gars. Ça va être les skills au pied. Je vais vous montrer un enchaînement et vous devez le répéter. Ok? C'est parti. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler tranquille, mais les gars, ils sont timides, ils parlent mal. Alors, les gars, vous êtes chauds un petit peu? Comment ça se passe? Allez, bon, lequel d'entre eux, qui pense être le meilleur urban bowler d'entre vous là? Premier enchaînement, ça va être très simple. Ça va être enchaînement, blocage, slap, tour du monde. Ça va. Dis ça va et ils s'en vont en même temps. Blocage, c'est un point. Slap, c'est deux points. Tour du monde, c'est trois points. L'enchaînement de tout, c'est 10 points. Attends, tu peux moi. Si, parce que. Ok, là, ça passe ici. Tac. Ça monte. Ici, on tape en l'air. Et après, tu peux jongler. Tu fais un tour du monde. Ou alors, tu fais comme ça si tu veux. Qui voit. Moi je l'ai fait direct, mais il y a plein de décès. Comment les essais? Tranquille, tu peux mettre en replay si tu veux. Il y a plein de décès. Comment les essais? Il y a plein de décès. Quand tu veux. Tac, ok, ok, bien. Ah, ok, t'as trois essais. Oh, direct. Direct, là c'est validé. Le premier point il est validé. Ah. Ok, bien. Ok, le tour du monde. Oh! Mon gars, 10 points. Il a 10 points, il commence bien. Bon, maintenant on va aller au candidat suivant. Viens dès avec moi. Il commence à bégayer. Je vous présente Paul Cabessa, aka le meilleur joueur de foot de tous les temps. Ah, ok, allez, donne tes bits là. Vas-y, arrête de rigoler. Enlève tes lunettes. Enlève ta casquette, montre tes contours. Ils sont pas là. Montre tes contours là tout de suite là. Attention, attention, premier effet. Voilà, il y a un petit plot, j'ai bien aimé. Et il fallait qu'il y ait un nul. Aujourd'hui, c'est moi. J'assume. Troisième candidat, Boumé Sama. Vous connaissez Boumé, c'est à toi de jouer. Attends, entre guillemets, les mecs, ils sont tellement chauds, ils sont déjà en train de faire autre chose. Attendez, j'ai pas fini avec vous. Attends, j'ai pas fini. Pose la balle, pose la balle. Ok, non, parce que, entre guillemets, juste pour vous dire, c'est le cinquième terrain qu'on fait là. On s'est fait virer de tout Paris. Attention, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a au classement pour le moment? En troisième position, on a Paul Cadessa, okay, et qui est le Jean Flow. En deuxième position, c'est Terre Football. Putain, il est nul. Non, parce qu'il y a un point bonus pour la première position pour le direct. J'ai bien aimé le direct. Mais il faut avouer que
Il a eu moins de temps de se concentrer. On va passer à, je pense, la partie où ils sont le plus à l'aise. C'est partie basket. Parce que pour être un urban bowler, il faut être complet, il faut toucher la balle jusqu'au bout de tes 5 doigts. Donc partie basket, c'est parti. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple. Le premier geste qu'on va faire, c'est le tour du monde basket. T'as fait un tour, bloc. Ensuite, cette main-là, l'autre main, elle va venir à l'opposé. Puis là, on va faire ce qu'on appelle, moi je sais pas comment ils appellent, j'appelle le crap, tu vois. Hop, t'attrapes. Boum, boum, boum. Ok, suite à ça, on fait comme ça, on lance et là on tente la couronne. Ok, non mais je pense que c'est pas assez long comme geste. Ok, ouais, en fait j'explique pourquoi j'ai fait plusieurs gestes. Parce que peut-être certains ils vont réussir celui-là, peut-être certains ils vont plus réussir celui-là, peut-être il y en a qui vont réussir la couronne. Ça me permet d'aller dans toutes vos aptitudes, tu vois le mec qui est en train de déjà en scred direct, tu vois. Ok, donc du coup bah, c'est lui qui va commencer. On a commencé la vidéo au poteau de corner là-bas, on se retrouve ici, j'ai pas compris. C'est en mode battle mode, qui veut commencer? Football. Il est chaud. Ok, attention, 3 essais. Un point par trick, 10 points la totale. Oh, presque. Pas mal, ouais, c'est bon. Ok, on passe au deuxième. Attention, la coordination. Il est en train de réfléchir. Faut que ça passe au-dessus. Oh, pas mal. Oh, C'est bon. Et là, la couronne. Ouais, tout. Hey, c'est pas mal. Il lui reste un essai quand même, on va lui donner. Par contre, si tu perds après, ouais, si tu perds, reste concentré. Oh, on est pas mal. C'est le tour du monde coude. Ok. Je ne finirai pas dernier. Et qui est le suivant? Paul Cabessa. Je suis l'outsider du groupe. Je suis l'Mbappé en fait. Non. Vas-y, je peux mourir tranquille d'avoir vu Paul Cabessa faire de l'urban ball. C'est bon, je vais arrêter ma carrière. C'est bon. Bon, Boumé Sama, à toi mon gars. Un maximum de commentaires pour soutenir notre ami Paul. Parce que franchement, une prestation extraordinaire. Je crois que il a inventé un geste. T'as vu? Il ne sait même pas. On va l'appeler le pigeon. Tu vois, il était comme as. Regardez-le bien. Il est beau. On essaye. On ça, c'est de la beauté. Il se taille même pas la barbe, Robert. Okay, elle se taille elle-même. C'est ton problème. Allez, vas-y. Pas mal. Il a raté. Il récupère le ball. Oui, on est bon. Ok, bien joué, ok. Ok, il y a un petit remix, mais on va rien dire. Ça arrive, ouais, ça. Ouais, c'est mieux que ça. C'est un bon fils. Et la fin. Ok, il se concentre. Non, c'est fini, il est fini. T'es mal. C'est quoi? Pas mal. Vous me connaissez, dernier essai avec panache. What the fuck? S'il vous plaît! Coupez! VR! Attends, vas-y. Mêlez! Ok, mais c'est pas celui-là, il y a le. Ah oui, c'est vrai. Ok, vas-y, moi je vais voir un courage. Ok? Ça se concentre? Dans le centre opposé de la main? Allez, on peut applaudir. On attend le verdict, bon. on est prêt nous. Classement en troisième position. Attends, j'aime pas l'introduction comment elle est faite. En troisième position. Mais c'est bien, c'est le bronze. Paul Cabessa. Je ne terminerai pas derrière. Avec un magnifique pigeon move. Paul. Deuxième position sur ce challenge, je vais dire ça joue à ex-aequo. J'ai bien aimé l'inspiration du ça bouge pas. Et puis, Boumé quand même. J'ai bien aimé. Mais je trouve que là, sur ce truc là, c'était, on va dire, égalité. Parce que le tour du monde, je l'ai plus kiffé de ce côté là. Donc du coup, on se retrouve avec Boumé qui est légèrement en position. Légèrement Bah oui. C'est pas possible. Le mec, c'est pas possible. J'ai gagné le premier défi. Ils ont perdu le deuxième, ils ont perdu le premier. Et j'ai fait ex aequo premier avec eux. C'est ta chaîne. Je suis là. C'est ta chaîne. Bah écoute, frère, Je suis dernier, moi. Allez, s'il vous plaît, mettez un son Goku qui crie là. Ok.
C'est bon, je peux reprendre ma chaîne, c'est bon, j'ai repris ma chaîne, ça y est, c'est bon. On a Boumé qui est légèrement en tête du classement. La chaîne, je dis ça. Puis t'as. Ouais, j'avoue, il m'a payé, c'est vrai. Terre en deuxième. Et Paul Cabessa, pas très loin. C'est pas. Pas très loin. On va passer à un truc. On va passer à un petit moment qui va plutôt te convenir. Parce que pour être un Urban Baller, c'est bien beau de savoir faire des tricks. Mais si t'es comme une planche à pain comme ça, ça ne passe pas en Urban Ball. Il faut avoir du flow. Donc là, c'est le moment de la danse. On leur met un son. Et c'est à eux de jouer. Et là, c'est vous qui allez décider. Bon, vous doutez bien que quand on parle de son, il y a l'histoire de droit de son, de longueur. Ouais. Bon, vous doutez bien que quand on parle de son, il y a les histoires de. Ouais. Bon les gars, voilà, pour la troisième épreuve, ça va être en mode danse, ok. Ce qui tombe bien, c'est que parmi eux, c'est tous des créateurs de contenu, mais des créateurs aussi de son, donc ils vont mettre leur propre son, c'est cool, ça sera libre de droit, parfait pour moi. Ok, on a Terre, ils ont leur propre son. KZ, on est là. Voilà, KZ avec son son, voilà. On a notre ami, ici, Paul Cabessa, il a ses propres sons. Propre musique. Et puis on a notre ami Boumé qui a... Il a pas de son. Voilà, il danse sans son. Ah là là, Paul Cabessa. Je finirai pas dernier. DJ, lance-nous un petit son. Non, je vais passer avant Paul Cabessa. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va prendre. Là, je vais juste... Hors de question que je passe après lui. Bon voilà, j'ai décidé de passer avant de Paul Cabessa parce que je pense que Paul Cabessa est un candidat très sérieux et je pense qu'il cache très bien son jeu, donc j'ai décidé de passer avant lui pour pouvoir éviter la comparaison en passant après. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est la tête. Ok, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Banger, on est là, j'avais annoncé. Qui lui déjà? Patrick Sébastien, voilà, j'avais oublié son nom. Moi c'est la cabessance, vous savez, j'ai mal commencé, comme tous les gens outsiders. Mbappé avant il jouait à Toulouse, frère. Les gens ils savent pas, il était nul. Comme moi, là je commence, je vais terminer premier. Là c'est le passage danse. Je viens de Chicago, vous allez comprendre. C'est tout à fait normal. Cette meuf fait des dégâts, mais ça de temps en temps. Passons mon gars, dans tous les cas t'es piqué. Non, ne fais pas semblant. Passons mon gars, dans tous les cas t'es piqué. Non, ne fais pas semblant. Passons mon gars, dans tous les cas t'es piqué. Non, ne fais pas semblant. Passons mon gars, dans tous les cas t'es piqué. Non, ne fais pas semblant. Ça va. Non, le mec est chaud. J'ai pas envie de finir l'année, voilà. Ouais, non, franchement, là t'as marqué des points. J'avais confiance en toi sur cette épreuve, je sais pas pourquoi, là je te sentais bien. On passe tout de suite au troisième candidat, Terre. Et c'est. Il est là, il est en confiance, numéro 10. Donc là, Terre Football, Terre FC, on va vous faire du sale, on a des armes secrètes. On est 4, chacun a son skills. On va faire du sale. On a une petite surprise, non, pas le choix. Vous allez voir que sur la dernière épreuve de danse, il va faire du sale. Dans mes rêves on m'appelle Peter Pan. Dans mes rêves sauve les gentils, tu les méchants. Quand je veux la trêve, on veut me faire la guerre tout le temps. Donc sort les armes à coups de trucs sans qu'ils s'y attendent. Non, là j'ai pris une petite claque, j'étais pas prêt de ça, personne était au courant, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein. Non, parce qu'on a jamais vu un b-boy avec des crampons, moi j'ai jamais vu ça. Ok, donc ça me donne la tâche un peu plus difficile là, tu vois. On va classer l'épreuve. J'ai aimé l'originalité, j'ai aimé la petite touche d'humour. Sur l'étage du bronze, boum et ça va. Bravo quand même, voilà. Les sardines, c'est pour la prochaine fois. Pour être un urban baller, il faut avoir du flow, mais il faut aussi être musical. Et c'est vrai que sur cette épreuve, j'ai trouvé que la musicalité allait plus du côté de Paul Cabessa. Donc deuxième, Terre Football. Je ne finirai pas dernier. Du coup, sur le classement, on est un peu à égalité. Du coup, en fait, ce que je vais demander, c'est à vous, la youtubeuse, de voter qui a le mieux relevé l'épreuve de l'Urban Baller. Parce que aujourd'hui, Tonton Seine, il vous a donné son avis, mais c'est à vous vraiment de décider qui d'entre eux a été le plus représentant. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et vous savez très bien que Tonton Seine, il aime bien les petits skills, mais ce qu'il aime le plus, c'est les petits ponts. Eh ouais, donc du coup, ce qu'on va faire, on va passer à la dernière épreuve pour voir qui est le meilleur panaboleur. Eh ouais, ils vont jouer contre moi pendant une minute et on va voir qui tient le mieux. C'est parti. On passe en mode panabole, une minute chacun pour voir qui va tenir le mieux. Mais même quand ils ont le ballon, ils peuvent mettre un petit pont et s'ils mettent un petit pont, c'est bon, ils ont gagné. Direct, bam bam. Attention, qui est le premier à passer? Allez, viens, vas-y. C'est quoi ça? Où le CN? Où le CN, panaboleur? Je vais dire, tu vois, Neymar.
Oui, oh, yeah. Ah, voilà, là ça commence! Ça commence! Youl Sehan! Youl Sehan, pas d'abonneur, je vais des petits fois à Neymar! En fait, c'est moi sous le masque de Sehan. J'ai des petits points là. Non, non! T'as bien joué, Sehan! T'as bien joué? Mais bon, t'as pas pu éviter le petit pont que j'ai dû faire, tu vois. Ouais, fallait qu'il arrive au bout d'un moment. Ouais, j'avoue. Tu peux retirer le masque maintenant? Parce que c'est moi en dessous et moi je suis Céane en fait. Pousse-le. Ce qui devait arriver, arriva. Ah, on y va, avec abaissance. Bienvenue. Je te mets les nets, c'est pas comme ça. Ok, let's go. Oulala. 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 Eh, Boubé, attention, t'as un... Red Bull, je m'en vais pour ça. On va couper ça au montage. Ça, c'est le début, ça. Non, je suis désolé, non. Tu t'es fait humilier. Non, violence en motion. La VAR. Il y a un petit pont. Il me reste un adversaire. Terre-terre football, c'est parti. Moi, je regarde que mes pieds, moi. Non, ah, merde. Il a pas compris, le challenge d'or, c'était avant. J'ai une question, est-ce que t'as bien attaché tes lacets? Ouais, ça va aller. C'est bon, ok, d'accord. Attache tes lacets, hein. C'est bon. Mais non, t'aurais pas du tout. Voilà. C'est un gaucher. Moins 106 points là, c'est fini. Non, 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 il est pas avec nous. Attendez, on connaît pas. Hey, il était pas là. Il était pas là au début. Il est viré. Regarde, le renier. Moi, je suis désolé. J'aime pas faire ce geste, mais j'ai prévenu. J'ai dit, attache tous tes lacets. J'ai une question. Est-ce que t'as bien attaché tous tes lacets? Non, franchement, les gars, je pense. Grosse dédicace pour le caleçon bleu. On a tout. Il était bon. Un maximum de pouces bleus comme le caleçon. La youtubeuse, maintenant, c'est à vous de décider qui d'entre eux a été le meilleur youtubeur. Merci. Urban Bonheur. Pas la bonheur. Mais attendez. Statistiquement, c'était moi en vrai. Vous avez vraiment réussi le challenge parce que je pensais pas qu'en aussi peu d'essais vous avez pu faire autant de trucs. Donc c'est super cool. Vous avez géré que ce soit dans la danse, dans le basket, dans le foot, dans les panas. C'était super cool. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que ces gars-là, ce qu'on va faire, parce qu'ils font les malins en vidéo, on va les inviter en live. Donc là, youtubeur, je vous donne rendez-vous le 23 septembre à la ville de Clichy pour les finales des championnats de France. Et ces gars-là, ils vont faire le même battle qu'ils ont fait là, mais ils vont le faire en live. Ils auront 30 secondes chacun, on va faire un petit cercle et on va voir qui représente le mieux en live. Parce que là, en vidéo, c'est trop facile. Ce qu'on va faire là, youtubeur, c'est simple. Je vais mettre un petit tweet là, tu vois le tweet qui apparaît, où je vais mettre qui vous voulez comme youtubeur pour faire le challenge Urban Ball. Vous mettez, vous taguez votre youtubeur influenceur préféré là à la suite de ce tweet, bam bam bam, et on va les inviter. Et peut-être qu'il n'y aura pas 3 équipes, mais peut-être qu'il y en aura 4, 5, 6 lors de ce battle le 23 septembre. Bon, je vous annonce aussi que c'est totalement gratuit. Ville de Clichy, il y aura les meilleurs freestylers de France, les meilleurs panaboleurs de France. On sera une petite famille, on va faire le show, tout pour prendre des photos, pas de soucis. Voilà, youtubeurs, comme d'habitude, je vous mets dans la description les informations de tous ces gars-là qui déchirent, Terre-Terre Football, Paul Cabessa. Vous mettez ça va, ils font une vidéo d'ailleurs, j'ai relevé leur channel sur leur chaîne, donc je vous mets ça dans la description. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires le youtubeur que vous voulez que je challenge et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Ciao.